Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine prochaine. Donc, ce sera la dernière semaine du mois d'octobre. Donc, du 25 au 31 octobre 2021. On va faire un horoscope pour voir pour chaque signe ce que nous aurons comme énergie pour la semaine. Et puis ensuite, je vais faire un tirage au tarot pour qu'on ait des énergies plus générales pour tous les signes, pour le collectif. Donc, vous voyez, j'ai fait des paquets pour chaque signe. J'ai commencé par le Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Vous allez avoir chacun votre message pour cette semaine. Donc, vraiment la dernière semaine du mois d'octobre, on va voir ce qui va se passer. Donc, pour chaque signe, j'ai quatre cartes. Il y a deux cartes d'oracle, une carte de tarot, une carte sentimentale. Voilà. Alors, bienvenue sur les guidances de Shiva. Vous pouvez regarder la petite vidéo de présentation que j'ai faite par rapport à mon inscription sur TikTok où je partage aussi certaines vidéos. C'est assez amusant, c'est assez sympa. Et puis, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos que je sors. Sinon, vous ne serez pas averti, vous ne les aurez pas. Vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée par rapport à un domaine, que ce soit amoureux, vu que je fais des tirages amour novembre 2021 actuellement, en m'écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà, vous pouvez regarder les tirages de l'automne qui sont sortis, les tirages de novembre qui sont sortis et les tirages donc de fin octobre aussi, général et sentimental. Alors, on va commencer tout de suite par le signe des Verseaux. Et je vais vous dire un petit peu les messages que j'ai reçus pour vous. Alors, on nous parle. Alors, ce que je ressens tout de suite avec les cartes ici, les trois cartes, j'ai la carte de la prière, j'ai la carte de l'encre et j'ai la carte de l'empereur. La prière ici, c'est au niveau de l'image, un message qui vous transmet que vous avez comme une envie d'ailleurs. Vous avez envie de voir ou de vivre quelque chose de différent que ce que vous vivez actuellement, parce qu'on voit que ce qui se dégage ici, c'est une ville, c'est un côté gris, un côté pas très agréable, et que de l'autre côté, il y a cette bulle d'énergie avec de la verdure, de la nature, du soleil, du bien-être. C'est assez marrant comme elles sont faites, ces cartes, mais elles veulent tout dire. Le citron, le côté frais, on a peut-être besoin ici, la semaine prochaine, de retrouver un état de fraîcheur, un renouveau par la prière peut-être, en tout cas par l'envie de quelque chose de neuf, quelque chose de frais, quelque chose de pur. C'est pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, comme si vous étiez un petit peu lassé ou pas très bien dans ce que vous vivez actuellement. Hein. Donc ça, cette ville et ce paysage peuvent représenter plusieurs choses de votre vie. Hein. Avec les autres cartes, on nous dit c'est par rapport à une situation qui a l'air d'être ancrée depuis longtemps. Il y a une situation qui aurait besoin d'être déterrée, d'être changée pour ramener du renouveau, de la fraîcheur. Vraiment, le citron, c'est vraiment ce côté fraîcheur, renouveau, renaissance, des couleurs, plutôt que cette grisaille dans laquelle j'ai l'impression que vous êtes embourbé. Il y a deux chemins. Et avec l'encre, donc j'ai utilisé ces deux oracles, plus le tarot, je vous ai dit, et une carte sentimentale. C'est vraiment ce que ça me dit. Il y a une situation trop ancrée que vous vivez depuis trop longtemps qui a besoin d'être changée vers quelque chose de plus frais, de plus neuf. Il y a besoin de renaissance. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte de l'empereur. Donc on nous dit que la semaine prochaine, vous aurez besoin de cette énergie, mais elle est intéressante parce qu'elle va bien avec le jeu. L'empereur n'est pas toujours présenté comme ça. Donc l'empereur nous dit qu'on a les qualités de réussir, d'action, d'arriver à un objectif, hein, de vouloir faire du changement, de partir de quelque chose qui est trop longtemps en nous ou que l'on vit depuis trop longtemps. D'accord, ça nous donne cette impulsion, cette énergie. Mais là, on voit comme s'il y avait une énergie, ou là, c'est un ours ou quelqu'un qui vous retient, qui vous empêche un petit peu d'avancer.
Il y a comme si vous aviez une envie de changement, de fraîcheur, de renouveau, mais en même temps, il y a une énergie qui vous empêche d'avancer. Alors peut-être qu'il y aura une espèce de conflit en vous. En tout cas, on vous recommande de lâcher l'ancien, d'aller vers du neuf, avec certaines difficultés. Il y a certaines difficultés, mais moi, je vous conseille de vous battre pour aller vraiment vers cette énergie de renouveau. J'ai l'impression qu'il est vraiment utile et nécessaire dans votre vie en général, les Verseaux. Et en même temps, on nous dit, alors la carte sentimentale, début d'un amour, il y a bien une notion de commencement, début d'un amour, construction d'un amour, nouvel amour. Il y a bien du renouveau ici pour les Verseaux au niveau sentimental. Donc pourquoi pas aussi le générer au niveau général dans d'autres domaines. Donc vraiment ce besoin de fraîcheur, donc sympa le citron. Voilà pour vous les Verseaux. Pour les Poissons. Alors les Poissons, il pourrait y avoir avec l'énergie de la tour de l'inattendu. Quelque chose qui va se passer que vous n'auriez pas espéré ou que vous n'auriez pas attendu, qui vous surprendra. Quelque chose qui peut être en lien avec soit un événement caché qui va se révéler à vous. Dans votre vie, les poissons, il y a peut-être quelque chose de caché qui va se révéler à vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui se libèrent actuellement, qui se mettent en lumière. Beaucoup de libération, de karma. Là, il y a peut-être quelque chose qui va, avec l'événement inattendu, hein, la maison Dieu, vous révéler certaines choses qui sont cachées et on nous dit qu'il va falloir être dans l'acceptation. Accepter une situation. Ici, cette carte aussi nous dit que voilà, vous voulez peut-être la part entière du gâteau. Vous voulez tout, tout de suite. Mais il y a, comment dire, d'autres personnes ou d'autres éléments autour de vous qui prennent une partie de ce que vous désirez avoir. Voilà, il y a une tranche de gâteau qui est là, prise par une énergie, hein, une autre personne. C'est des énergies, hein, ces personnes transparentes. Et il vous faut accepter. Il y a une situation inattendue qu'il vous faudra accepter. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de caché que vous allez découvrir. Est-ce que c'est dans une relation sentimentale? Est-ce que c'est une tromperie? Est-ce qu'on vous a caché des choses dans la famille? Est-ce qu'on vous a caché quelque chose? Ça peut représenter la famille, hein? On dirait visiblement qu'il y a quelque chose de pas clair qui va être pas facile à accepter. Hein, cette surprise inattendue qui va pas être facile à accepter. D'accord? Mais on vous le conseille, vous n'avez pas le choix. Si cette lune n'est pas un élément caché, c'est écouter son intuition, écouter sa voix intérieure, chercher qu'est-ce qui se passe. Il y a comme un effondrement, il y a comme quelque chose qui va s'effondrer, qui va changer, qui va vous surprendre. Hein, c'est vraiment ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine. Donc, soyez dans l'acceptation de cette situation. Mais cette situation, c'est un petit peu. Vous retenez. Là, elle se tient mais fermement à sa spatule. Hein, il ne faut pas retenir cette situation. Il faut peut-être laisser aller, lâcher aller, lâcher le partage. Faire profiter les autres peut-être de ce que vous avez. En tout cas, il y a une part qui est à l'extérieur de ce gâteau que vous voulez pas partager. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ce sera nécessaire de le faire. Et au niveau sentimental, alors c'est aussi positif, là on nous dit, si vous avez une question, bah, c'est une réponse positive, c'est un grand oui à vos interrogations. Donc voilà, pour le sentimental, oui. Pour une rencontre, oui, la personne est d'accord de s'engager avec toi. Oui, aussi, ça peut être que quelque chose est caché. Hein. Si vous avez la question, est-ce que bah, y a des choses qui se cachent dans ma vie sentimentale ou dans mon travail ou autre, bah, on vous dit oui. Mais plus au niveau sentimental, là, quelque chose qui pourrait être oui, que votre intuition vous dit. Et ça va créer un effondrement peut-être de votre relation sentimentale ou de vos croyances. Donc,
une semaine de surprise. Donc c'est vraiment cette semaine du 25 au 31 octobre que je répète. On va regarder maintenant pour les béliers. De quoi on nous parle? Alors, on nous parle de pas mal de choses, de créativité, de travail, d'abondance, du soleil, de joie, de célébration. Bon, une semaine agréable. Vous allez beaucoup avoir de créativité. Vous allez avoir entre l'abondance et work alcoolique, c'est être débordé de travail. C'est aussi de l'abondance. Abondance de travail, beaucoup de travail. Vous aurez envie, vous allez déborder d'énergie. Vous allez faire beaucoup. Vous allez créer beaucoup, je dirais. Créer beaucoup au niveau du travail. On voit plus la création, hein. Créer beaucoup. Là, c'est de la peinture, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Qui va rapporter? Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'argent qui peut rentrer, une semaine très positive dans la réussite. Vous allez être zen parce que tout ce que vous allez faire va marcher. Hein? Vous allez vraiment vous donner corps et âme à un travail. Vous allez presque être dépendant, hein, comme les alcooliques, mais c'est au niveau du travail. On en a besoin, vous allez avoir besoin de ça, peut-être pour vous, comment dire, sortir, pour sortir votre énergie. Mais c'est super positif là, vraiment. Ça peut être une passion, un travail indépendant ou votre travail, votre business employé, qui sera abondant. En même temps, l'abondance, oui, elle sera présente. Elle peut être dans tous les domaines, autant sentimental que professionnel, où justement vous aurez beaucoup à faire, ou que ce que vous faites va vous rapporter beaucoup. Le soleil nous dit qu'il y aura une très belle réussite, que vous allez être bien dans votre peau, que vous allez réussir, que vous allez avoir une reconnaissance, que vous allez avoir l'argent qui rentre, que vous allez être reconnu, que votre société va marcher, que vous allez donner beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne. Hein? Alors une semaine très très bonne là pour les béliers. Et aussi ben, au niveau amour, vous avez la carte de la joie, du bonheur, de la fête, des célébrations. Vous avez une très belle semaine. Hein? Qui se prépare pour vous ici, les béliers, signe des béliers, vraiment très belle, et qui vous mettra dans une certaine paix intérieure. On voit que ce que vous avez décidé de mettre en place fonctionnera, marchera, et vous mettra en paix. Super sympa. Alors, les taureaux, on va voir pour vous la semaine du 25 au 31. On a la carte aigre-doux, on a la carte du bouquet, l'étoile. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière ces cartes. Hein. J'essaie d'interpréter en même temps que vous. Alors, l'aigre-doux, on voit ici une personne qui essaie de faire plaisir à quelqu'un. Les taureaux, vous essayez de faire plaisir, d'apporter peut-être certaines choses, offrir des cadeaux, faire plaisir. Mais la personne sera pas très réceptive à ce que vous voulez. Hein. Le bouquet. Bon, on nous parle d'invitation, nous parle de bonnes nouvelles, nous parle de surprises. Alors, on dirait peut-être une fête qui se profile, un repas qui se profile, quelque chose comme ça. Bon, la table, le gâteau, mais que malgré la surprise que vous allez peut-être vouloir faire, ou qui va se faire, ou le banquet, ou le repas, ou une réunion, va pas forcément faire plaisir à la personne en face. Ça va pas forcément. Vous voyez, elle n'est pas satisfaite, la personne là. Elle tire la tête, donc aigre-doux, une énergie moyenne. Je la reçois moyennement, je timidement, sans excès, sans exaltation. Et puis on a l'étoile. L'étoile, elle nous dit que vous allez être quand même protégé hein, la semaine. Vous avez cette énergie du tarot, du taureau, vous serez quand même protégé. Ça va pas créer de gros problèmes a priori. Vous allez être guidé. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas comment faire, peut-être que vous avez envie de décoincer une personne ou de faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas l'air d'être bien. Alors vous allez, ça c'est aussi la carte de faire plaisir, hein, de faire une surprise à quelqu'un. C'est comme si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui est ici, pas spécialement dans une envie de joie, mais vous voulez lui apporter ce bonheur, cette joie, ce plaisir, cette surprise.
Parce qu'il y a quelqu'un qui est plutôt dans une énergie un peu autour de vous, dans votre famille ou autre, pas totalement satisfaisante, pas tellement bien. Mais vous serez guidé, vous serez protégé. On vous montrera un petit peu comment faire pour essayer de donner l'énergie ou la pêche à une personne autour de vous. On dirait que c'est ça. Alors, par contre, au niveau sentimental, attention ici, on nous dit qu'il risque d'y avoir, si vous êtes en couple ou célibataire, des attaques de magie toxiques, négatives. Protégez-vous. Donc, si vous êtes dans un couple, vous allez peut-être découvrir que vous êtes avec une personne toxique qu'il vous faut quitter. Peut-être la personne à qui vous voulez faire plaisir peut être toxique aussi. Donc on va vous éclairer, vous guider pour vous dire que malgré tous les efforts que tu fais, eh bien ça ne va servir à rien. Tu as envie de faire plaisir, tu as envie de d'aider cette personne, mais elle a l'air, si c'est la relation dont on parle, elle a l'air d'être attaquée peut-être par de la jalousie ou de la magie extérieure où on vous empêche d'être heureux avec l'autre. L'autre, malgré tous vos efforts, ne sera pas réceptif à l'amour ou à la relation. Bon, il faut protéger votre couple, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte, hein. Elle est rare, elle sort peu, mais elle est présente pour les taureaux. Donc, protégez votre relation ou soyez attentif qu'il pourrait y avoir certaines situations où l'autre personne ne sera pas réceptive malgré tout ce que vous allez faire. C'est tout à fait possible, hein. Vous vous dites pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il n'a pas envie d'être présent, pourquoi il n'est pas bien dans la relation de couple, qu'est-ce qui se passe? Vous poserez des questions et ça viendra pas forcément de l'autre, mais parce qu'il y a une influence extérieure de jalousie, par exemple, de magie, d'influence, oui, qui fait que ça bloque le couple ou la relation. La relation, on va dire en général. J'essaie de faire vraiment un lien maintenant de toutes les cartes pour les taureaux. Donc soyez dans la protection de votre relation et puis suivez les signes qui vont vous être mis sur votre chemin. Vous allez peut-être justement découvrir qu'il y a quelque chose qui empêche votre relation de couple par une personne extérieure. C'est ce que pourrait nous donner l'étoile, hein, vous aider à découvrir ceci. Pour le signe des Gémeaux, alors nous avons l'expansion. Nous avons les souris, la tempérance, et puis une relation qui fait partie de votre chemin de vie, une relation karmique, quelque chose de karmique. Ici, l'expansion. Alors, il y a quelque chose qui va prendre de l'envergure dans votre vie. On a le dieu, on a la mère, la femme-mère. On a le vent. Il y a quelque chose qui va prendre de l'envergure. Comme par exemple l'expansion, là, on peut voir une grossesse. Ça peut être l'expansion d'une situation qui prend de l'ampleur. Mais est-ce que c'est une situation qui vous pose problème, qui prend de l'ampleur, quelque chose qui vous tracasse ou faire attention par rapport peut-être à une réussite que vous avez, quelque chose qui prend de l'expansion, qui s'amplifie, qui marche bien. Il y aurait peut-être de l'abus de confiance. On essaie de vous voler vos idées, par exemple, aussi. Et avec la tempérance, on nous dit de patienter encore un peu, de pas aller trop vite. On nous dit de patienter, hein. La tempérance, c'est la patience. C'est de pas aller trop vite, c'est d'attendre encore. C'est ce que je ressens. Avec cette expansion qui pourrait être rapide, on nous dit va pas trop vite. Parce que tu pourrais être dans la jalousie ou tu peux être dans un abus de confiance, dans un abus ou quelque chose qui va te prendre la tête, de vouloir aller trop vite, c'est pas la bonne idée. Voilà, on vous dit quand même modérez-vous, pondérez-vous. J'essaie de bien observer cette carte. Elle a un bouquet de fleurs et il y a peut-être quelque chose, il y a une réussite, oui, il y a une réussite ici, hein. Une réussite de. Vous recevez des fleurs et les guides derrière. On souffle, le vent souffle pour que ça fonctionne, mais malgré tout, ça vous prend la tête. Donc, je dirais, n'allez pas trop vite dans votre projet que vous avez en tête, en cours, avec la tempérance, c'est ce qu'on nous dit.
Et puis, par rapport à l'amour, vous avez quelqu'un autour de vous qui fait partie de votre chemin de vie. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est soit une âme sœur, une flamme jumelle, ou que vous avez connue dans une ancienne vie. Peut-être c'est avec elle aussi qu'il ne faut pas aller trop vite. D'accord? Vous rencontrez quelqu'un, une nouvelle personne, ça peut vous prendre la tête. Et aussi, c'est peut-être avec elle qu'il ne faut pas aller trop vite. Vous comprenez? Voilà. Pour les cancers, on sent ici la culpabilité. On a la culpabilité, on a l'énergie ici de la maison, de l'impératrice, relation flamme jumelle. Ici, c'est pas le bouquet. Ici, c'est le foyer, c'est la maison. L'impératrice. Les cancers, la semaine du 25 au 31, vous pourrez vous sentir coupable de vous occuper de vous. Là, je sens qu'on s'occupe, vous voyez, de la maison, on met les fleurs, on décore la maison, il y a le bouquet, on va remplir le bac ici de fleurs pour que ce soit beau. Vous allez prendre soin de vous, vous relaxer, aussi prendre du temps pour vous. Vous êtes dans un sentiment de calme, de bien-être. On le sent, hein. L'impératrice, elle est dans une réussite. Vous allez dans une période de réussite. Les choses vont bien pour vous. Vous avez envie de vous détendre, vous vous détendez, mais en même temps, vous sentez coupable. C'est comme, voilà, vous êtes là. Je suis relaxée, je suis détendue. Et voir les gens se démener autour de vous, faire beaucoup de choses, hors passage, le ménage, etc. C'est un exemple. Ça peut vous rendre. Vous allez peut-être avoir un sentiment de culpabilité de vous sentir bien pour une fois, de ne pas faire trop, de vous reposer. L'impératrice, elle réalise certaines choses, elle met au monde certaines choses aussi. D'accord? Et là, peut-être, cette semaine sera une semaine de repos à l'intérieur de soi-même, ou qu'il y a des choses qui vont porter leurs fruits. Mais on dirait qu'il y a de l'aide extérieure. Donc, vous n'allez peut-être pas faire beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de monde ici. Vous allez peut-être vous reposer, malgré que vous êtes une personne qui donnait la vie, et vous sentir coupable. Vous allez profiter un peu de ce bon temps et vous sentir coupable que d'autres agissent à votre place. On le voit ici et on le voit ici. Voilà. Et au niveau amour, on nous dit votre relation est liée à votre flamme jumelle. Donc à nouveau, il y a quelque chose de karmique ici. Est-ce que c'est votre ami, par exemple, proche, ou une connaissance, ou un karma à régler? Peut-être vous êtes dans une rencontre d'une flamme jumelle. Une relation est liée à votre flamme jumelle. Ça veut dire qu'une relation, ça peut être n'importe qui. Ce n'est pas forcément un amoureux, hein. Et c'est là que vous pouvez aussi vous sentir coupable, que vous êtes bien, que la personne fait beaucoup autour de vous. Et ça vous rend un petit peu coupable. Vous allez peut-être vous sentir dans cet état-là. Malgré le fait que vous vous êtes bien et que beaucoup de gens, vous pourrez vous reposer un peu sur vos lauriers la semaine prochaine, mais vous verrez que beaucoup de gens s'attellent autour de vous et ça vous embêtera un petit peu. D'accord? Voilà, à vous de voir comment vous gérez cette situation. On va voir pour les lions. Alors, les lions, on a la perception, on a la personne qui crée des problèmes, c'est la personne négative dans le petit Lenormand, c'est la mauvaise femme ou la maîtresse, on a le fou et un signe de feu. Alors vous êtes bien le signe de feu, donc ça parle de vous, hein. Bélier, lion, sagittaire, donc le lion. Le lion, est-ce que c'est vous qui êtes dans une énergie négative la semaine prochaine, ou est-ce que vous allez faire ou vous faites des choses qui sont pas bonnes qui sont, je dirais, négatives pour autrui, qui font du mal à autrui. Ce côté, je fais les choses derrière le dos des autres, même de la magie ou autre. Vous aurez peut-être envie d'avoir une nouvelle perception sur vous-même, parce que là, on a le chakra du cœur qui est comme sorti de sa poitrine, qui est là devant elle, qui brille, des papillons, des oiseaux. Et il y a peut-être la semaine prochaine une nouvelle perception qui s'offre à vous. De se dire je n'ai plus envie de rester peut-être la mauvaise personne ou qui fait du mal à autrui ou
mais pas tous, hein. Mais là, effectivement, ce rôle, on le voit bien, signe de feu, donc ça parle du lion, en amour, ou vous-même, c'est une femme visiblement qui n'est pas très valeureuse, et comme si elle avait une prise de conscience, de perception ici, qu'il faut être dans l'amour, qu'il faut développer son chakra vert, donc du cœur, d'être plus dans cette énergie de don, d'amour, plutôt que de jalousie ou de négativité, et vous aurez l'envie de recommencer à zéro avec le fou. Donc envoyez balader cette partie négative de soi pour avoir une nouvelle perception de vous, que vous voulez que les autres vous perçoivent aussi différemment, comme quelqu'un de bon, qui a un bon cœur, quelqu'un de généreux. Vous avez plus envie que les gens vous voient comme une mauvaise personne. D'accord? Ou ouais. Là, comme on n'a pas de message, ça parle de vous, du lion. Vous avez envie que les gens vous perçoivent comme une autre personne. Vous voulez vous percevoir comme quelqu'un qui est plein d'amour. Parce qu'on a vraiment l'opposé, hein. Ça, c'est la mauvaise et ça, c'est la bonne personne. Ouais. La personne qui fait du mal, qui rigole du mal d'autrui, qui peut faire de la magie. Ouais, la femme de pique, c'est la mauvaise personne. Et on a envie d'avoir une perception d'autrui sur soi. En tout cas, vous allez avoir quelque chose à ce niveau-là la semaine prochaine pour que l'on vous voie différemment, vous, le lion, mais pas comme personne mauvaise, mais comme personne qui a un grand cœur. Vous aurez une prise de conscience, vous allez tout faire pour ça. D'accord? Les vierges, on a la carte de la création, on a la carte du loup. Donc là, il y a deux cartes de chaman. Hein. Création, là, c'est une chamane avec son dragon. Si je ne me trompe pas, ça fumait. Là, il y a le loup, le renard, je crois que c'est le renard. Le monde, changement de lieu. Alors, les vierges, pas mal de choses différentes. Vous avez une ouverture ici au niveau professionnel, c'est ce que je ressens. Le monde, donc vous avez fini un cycle, vous terminez quelque chose au niveau pro, et on voit que vous allez avoir des idées la semaine prochaine. L'idée, elle est dans sa main, la chamane, hein, avec sa fumée, va permettre la création de quelque chose, la mise en place d'un nouveau projet. Vous allez avoir des idées créatrices qui vont se révéler. J'espère que ces tirages vont vous parler, hein. Là, ça nous parle du travail, je vais le prendre comme le travail, le renard. Ok, on est autour d'un feu, on réfléchit, effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau pro, au niveau activité, au niveau... oui, activité indépendante. Et là, je regardais s'il y avait le dragon, mais c'est pas vraiment le dragon. C'est comme un encens qui sort de sa main, qui sort comme une, voilà, une création qu'on va mettre au monde. Au niveau professionnel, créativité. Vous allez créer quelque chose, mettre au monde quelque chose. Vous allez plutôt imaginer quelque chose, peut-être. Une situation de vie, je crois, dans le professionnel, et on nous parle de déménagement au niveau sentimental. Alors, le sentimental peut être lié à ce changement, mais moi je pense que certains vont déménager avec leur partenaire ou auront une envie de changer de lieu la semaine prochaine ou penseront à déménager. Parce que vous avez peut-être un nouveau travail ailleurs. Le monde, ça peut être aussi le déplacement, un lieu différent, d'accord? On voit que vous allez vraiment être dans la réflexion de mettre sur pied quelque chose de neuf au niveau professionnel. Les vierges, c'est très clair. On finit un cycle et on commence quelque chose. Et peut-être les deux peuvent être liés. Donc n'hésitez pas de commenter, hein. Oui, on a envie de déménager. Oui, je vais faire un nouveau travail à l'étranger. Voilà. Ça peut être lié comme ça peut être totalement différent. Il y a peut-être un déménagement au niveau sentimental. Vous êtes en couple, vous allez aménager, vous allez partir de votre partenaire, de chez votre partenaire. Voilà. Et en même temps, vous avez des idées au niveau professionnel. Alors, pour les balances, qu'est-ce que l'on a? On a un miracle. Et ce qui est beau, on voit une femme ici, si on observe bien, qui sort des flammes. Un miracle. On a la carte des oiseaux. Discussion.
discussion, autour d'un nid, discussion, créer son nid, sa maison. On a le pape, le hiérophante, des blocages au niveau du couple. Ce qu'on peut voir là, il y aura besoin de beaucoup de discuter. Il y aura besoin de conseils. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui a des connaissances. Vous allez peut-être avoir besoin de conseils. On va se repentir, on va demander de l'aide. Donc, il y a beaucoup de discussions. Là, ils sont tous en train de regarder leur natel, discussion moderne. Hein. Beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues à avoir. Hein. Autour peut-être d'un lieu de vie, autour de la construction, la mise en place de quelque chose. Et il y aura un miracle qui va se passer. Il y a un miracle, peut-être un obstacle sentimental qui va être débloqué. Il y a peut-être un blocage sentimental ici qui va être débloqué, obstacle à surmonter. Le miracle peut venir du fait que vous allez discuter avec le pape. C'est vraiment une personne d'expérience par rapport à un certain domaine, si ça peut être. Quelqu'un d'expérimenté au niveau sentimental, un psychologue, un thérapeute. Donc, le dialogue avec quelqu'un d'expérimenté qui amènera un miracle, une solution à ce blocage. Voilà. Je le ressens comme ça. Ou sinon, il y a beaucoup de discussions. Vous allez devoir parler, 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 apprendre, faire des cours ou quelque chose comme ça avec quelqu'un d'expérience qui s'y connaît. Hein. Là, il y a du monde, là, il y a quelqu'un qui donne des cours. Ça va apporter une résolution miraculeuse à un de vos soucis ou un diplôme ou quelque chose qui sort de tout ça, qui est séparé de cette situation où en amour on nous dit qu'il y aura des blocages et des obstacles à surmonter. Donc votre couple, il est en arrêt, vous avez besoin de réflexion, il y a des difficultés, peut-être des difficultés parce que vous êtes en formation. On voit que vous êtes dans une notion d'apprentissage, de dialogue. Mais il y a un miracle qui sort de tout ça, ce qui est très très beau pour les balances. Miracle, ça peut être la réussite, hein. Vous allez faire des cours, par exemple pour le permis de conduire, vous allez réussir, faire une formation. J'essaie d'être assez large pour les balances, mais il y a quelque chose qui va être inattendu, miraculeux, une réussite que vous attendiez pas. Donc super, la semaine là, du 25 au 31 pour les balances, c'est parfait. Alors j'ai plus beaucoup de... est-ce que j'ai du temps sur la vidéo? Oui, bien sûr, on va continuer avec les scorpions. Après, on va sortir les chats. Les scorpions, il y a une situation qui se termine. J'ai fait le tirage des scorpions tout à l'heure, hein, on parlait de dépendance, de passion. Alors, je vais voir déjà en général, on a l'impatience. Là, vous avez le monde invisible, le dieu qui est zen. Hein? Il prie, il dit calme, calme-toi, il retient une situation. Vous, vous êtes impatient même à monter sur l'escabeau pour atteindre un objectif. Les scorpions. Il y a une situation qui se termine. Alors, soit vous êtes impatient qu'une situation se termine qui n'est pas claire, il y a la lune. Alors, on peut être impatient d'une situation qui se termine. Donc, par exemple, une triangulaire. Si je reste dans le côté sentimental, parce qu'à nouveau ici, on a des doutes, on a des confusions, on a des manques de confiance. On se dit, mais il est avec qui? Elle est avec qui? Est-ce qu'il y a une triangulaire? Il y a des doutes, les scorpions. Et puis c'est vrai que le tirage, j'allais dire du mois de novembre, on nous parle quand même de dépendance affective. On nous parle du diable, on nous parle de passion. Donc là... Vous êtes impatient de quelque chose, vous vous réjouissez que, ça, que quelque chose se termine. Alors, vous pouvez vous réjouir que la relation cachée se termine. Vous pouvez vous réjouir qu'une situation quelconque se termine. Parce que l'impatience, c'est vraiment, j'ai envie que ça se fasse, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie que ça stoppe, j'ai envie que ça se termine vraiment. Hein. Mais si ce n'est pas l'amour, bah, ça peut être un travail qui ne va plus, je suis impatient. En même temps, vous voulez atteindre un objectif. Mais d'abord, la situation doit se terminer. Une situation qui n'est pas claire. Une situation qui n'est pas claire, qui doit se terminer. Vous êtes vraiment très impatient. Impatient pour passer à autre chose, impatient pour vous mettre en couple, être dans le calme.
impatient de commencer un nouveau travail parce que dans l'ancien, c'était flou et vous voulez que ça se termine. Cela, on a l'impatience, bah oui, du commencement, mais en même temps de la fin. Pour pouvoir commencer ce nouveau projet qui est là, bah, il faut déjà que, voilà, c'est la mort, la renaissance, il faut que quelque chose se termine. Et ça peut être soit une relation cachée avec la lune, soit des choses cachées, oui, aïe, pardon, ou soit je sens qu'il y a quelque chose de caché, voilà, chez les scorpions, quelque chose de pas clair dans un domaine quelconque de votre vie, essayez de l'adapter. Et au niveau sentimental, comme les choses ne sont pas claires, on se pose des questions, on a la lune, on doute, on est vert de rage, on manque de confiance. Ça peut être ça aussi. Hein. Vraiment, voilà, le scorpion, je suis impatient que ça se termine, cette problématique de cachotterie, de doute. Je suis impatient que ça se termine. Voilà. Ça, c'est le doute. Ça, c'est l'impatience. Vous avez compris. Je me réjouis que c'est fini. Ça se finisse. Donc, on est sur une énergie de fin et vous avez envie quelque chose de nouveau. Vous vous réjouissez de quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie ou que les choses s'éclaircissent. La semaine prochaine, du 25 au 31, c'est ce que je vois pour les scorpions. Alors, pour les sagittaires, on a la gratitude, très belle carte. Remerciement, on a une femme enceinte. Et une femme normale, ça peut être la femme, la fille, la mère. On a l'amour. Regardez, il y a beaucoup d'amour. Les Sagittaires, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Deux cœurs. On a un équilibre. Fin d'une histoire, tournez la page, nouveau chapitre rentre dans votre vie. Quelque chose de nouveau qui arrive pour les Sagittaires la semaine du 25 au 31 octobre. Pour moi, on tranche avec la justice par rapport à une histoire du passé. On ferme le livre de quelque chose du passé, on tranche, donc c'est un peu la même chose, on ferme une partie pour garder le bon, hein, ou vous allez aller vers quelque chose de sentimental, d'amoureux. Il y a quand même la notion de choix, hein. Vous allez faire des choix la semaine prochaine au niveau amour. La gratitude, c'est vous allez remercier la vie. On peut aussi avoir des relations ici homosexuelles, hein, pourquoi pas? Là, il y a une femme enceinte, il y a quelque chose qui démarre. On peut voir qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous allez faire un choix important la semaine prochaine pour une très belle relation qui va commencer. Le choix amoureux, le choix. On tourne la page, ça peut être la chose que je vous ai dit tout à l'heure, la manière de voir, hein, de couper, fermer un livre pour une nouvelle histoire, trancher pour une nouvelle histoire, faire un choix. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez faire, les Sagittaires, visiblement un choix au niveau sentimental et on vous dit que vous allez être vraiment dans la gratitude, vous serez hyper content par rapport à ce choix qui vous mène vers le bonheur. Alors, là, je ne sais pas si c'est une grossesse, est-ce que c'est une relation homosexuelle, est-ce que c'est un lien de mère à fille et mère. Vous voyez? Ou retrouver une amie. Ou voilà, quelque chose comme ça au niveau d'un lien amoureux qui vous attache à quelque chose de sentimental. Mais il y a vraiment cette notion de coupure et de fermer un bout, de fermer un livre, fermer une histoire, trancher pour aller vers quelque chose de positif, de sentimental, de cœur, qui vous donnera ce sentiment de gratitude en vous. Et on va terminer par les Capricornes. Alors, on nous parle de l'estime de soi, de la femme de cœur. Elle est là, la femme de cœur, elle est chez les Capricornes. On nous parle de choix, d'amour fusionnel, âme sœur. Alors, moi je vois ici que chez les Capricornes, des personnes ou une femme de cœur, de grande générosité, qui peut avoir des dons spirituels, hein, aussi ici, bâton de sauge, ici brûler des herbes. Une femme positive, amour, qui donne, qui est remplie d'amour, mais qui n'a pas confiance. Et on nous dit qu'elle peut être dans un sentiment où elle se sent un petit peu seule, mais on nous dit qu'il faut
qu'elle retrouve la confiance en elle et qu'elle se place sur ce trône qui est chaleureux, qui est mis en lumière. Vous allez être mis en lumière. Vous allez, on vous dit d'aller sur ce trône parce que vous êtes une bonne personne. Vous allez devoir faire un choix, soit de vous mettre en avant, soit peut-être de rester en arrière, je ne sais pas. Et quelque chose au niveau karmique aussi. Quelque chose au niveau karmique. Le choix, c'est se mettre en avant dans une situation. Là, on ne vous voit pas, vous êtes dans un froid. Vous mettre sur le trône, c'est être dans une reconnaissance de l'amour de qui vous êtes. On va vous reconnaître la semaine prochaine. C'est l'estime de soi. Ayez plus confiance en vous, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez retrouver une confiance en vous. Vous allez vous mettre sur ce trône ensoleillé. C'est votre place, une reconnaissance de votre puissance, de votre amour. Après avoir fait un choix, vous allez devoir bien réfléchir. Est-ce que vous voulez être sous la lumière, sous le feu des projecteurs aussi, les Capricornes? Il y a quelque chose au niveau de l'amour qui nous parle ici d'âme à âme, à nouveau quelque chose de karmique. C'est votre karma ou vous êtes en lien avec une relation karmique ou vous allez rencontrer une personne de lien karmique. Il peut y avoir les deux choses. Il y a une mise en lumière de vos capacités, de vos compétences, les Capricornes. Après un froid, je ne sais pas si vous voyez bien, et puis il porte deux choses, deux situations ici, c'est qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport au sentimental, ou le choix de se mettre en avant ou pas, et puis une rencontre d'âme sœur importante, d'une âme sœur, vraiment une rencontre âme à âme, âme fusionnelle, hein. On voit bien, on est lié par le destin. Une rencontre très importante cette semaine du 25 au 31 octobre pour les Capricornes et surtout une mise en lumière. Regardez, vous étiez dans le froid, seul, mais vous êtes la femme de cœur, vous êtes la femme qui a plein d'amour ou l'homme et vous allez être mis en lumière la semaine prochaine. Ou les gens vont choisir pour vous, ou on va vous mettre. C'est vous qui allez décider cette fois, ok, ben j'arrête de me mettre à l'ombre et puis je me mets sur ce siège qui m'attend. Voilà, chers amis, et rencontre possible d'une belle âme sur votre chemin de vie la semaine du 25 au 31 octobre. J'espère que ce tirage spontané vous aura parlé. J'espère que les messages que j'ai donnés à chaque signe seront justes et parlants pour la semaine. Alors n'hésitez pas de me commenter ce soir, maintenant, ou durant la semaine, comment ça a résonné à chacun d'entre vous. Donc voilà votre horoscope pour la semaine du 25 au 31 octobre. On termine le mois et on va se retrouver pour le mois de novembre. À tout bientôt, chers amis. Au revoir.